Bonjour, bienvenue sur MTGQ. Aujourd'hui, le deuxième match du Battle Royale qui oppose The Deluge versus Cinderheart. Le gagnant de ce match-là va affronter le gagnant du premier match pour déterminer le grand champion du Battle Royale. Sur ce, place au match. Bienvenue au match numéro 2 du Battle Royale. Battle Royale, Cinderheart contre... Le Deluge! On se rappellera que Chargoyf a gagné le premier match, malgré que ce n'était pas sans effort. Le Chargoyf va affronter le gagnant de ce match-là. On consacre le champion du Battle Royale. Oh! 4. Okay. Oui. Wow. Okay. Le Deluge va commencer. 6, 7. OK, on va commencer avec... Une forêt, c'est bon. On commence avec un swamp, un marais. Et là, ce deck-là, moi j'ai toujours dit quand on regardait ça, c'est mon préféré. Mais il n'a jamais gagné. Ça doit être parce qu'il y a 5 gars vampires dedans. Probablement, parce qu'effectivement, tous les pré-matchs qu'on a fait, pour s'habituer un peu avec les decks qui n'ont jamais gagné un match. Et pourtant, on regarde les cartes et on dit... En plus, je pense que c'est le deck qui a le plus de valeur. Puis ce deck-là, il y a juste 40 cartes, ben juste 23 cartes, Selene. Je pense qu'il vaut... Il doit valoir autour de 70-80$ juste à cause d'une ou deux cartes qui vont cher aujourd'hui. Ouais, c'est ça, il y a Reanimate, il y a même quelques cartes. Sweaver Rats. Un 1 pour 1. Je peux payer un noir, payer une vie. Puis il peut faire plus 1, plus 0, mais je peux pas aller plus loin que 3 noirs et 3 vifs, forcément. Oh, ok. Mais en début de partie comme ça, ça peut être un avantage. Ça doit. En passant, Cinderheart, c'est rouge et noir. Et toi? Oui, Deluge et blanc et vert. J'ai la réponse parfaite à ton Sewer Rat. Pour l'instant, c'est un Advanced Scoop qui est 1-1, First Strike. Puis je peux taper un blanc pour donner First Strike à une target capture jusqu'à la fin du tour. C'est d'accord. En le tapant? Non, juste un blanc. Oh! Désolé, ça me rend rire. Bon, ben je continue. Deuxième noir. Comme on dit qu'il n'a jamais gagné, c'est parce qu'une première créature, premier tour, que j'aurais pu booster au deuxième tour et attaquer avec, je peux même pas attaquer. Deux blancs, plus un vert. Je jouais un Sanctum Guardian, qui est 1-4. Je peux le sacrifier la prochaine fois qu'une source des dommages, une source de mon choix fait des dommages à une target créature ou à un joueur, je préviens les dommages. C'est un mur, c'est pas un mur? Non, c'est pas un mur, c'est un soldat. Fait que je t'attaque pour un. First strike. Ouais, ok. C'est attaque. Une montagne. Yeah. On dit un rouge, deux. Oh! Deux, un. Un Fire Ant. Je peux l'engager pour faire un dommage à une autre créature sans flying. Toutes les autres créatures. Ouais, excusez, toutes les autres créatures sans flying. Fait que... Hein? Toi, t'as-tu des flying? Non. Ça. Tu vas tuer ton jeu aussi, des concierges. Ben, il fait rien. Non, mais je vais juste te conscientiser à la mort possible de ton... C'est ça. À moi? Ouais. Okay. Tant qu'à moi, il est déjà mort depuis que t'as mis ça. Mettre une forêt. Je vais taper un vert plus 3 pour jouer un Argotian Elder qui est un elf 2-2. Je le tape puis je détape, untap 2 target land. Oups, j'ai oublié de faire taper mon scoop. C'est correct qu'on a joué ça longtemps. Je vais t'attaquer avec et le Guardian un et can. Le scoop. C'est à toi. Va falloir virer ça de bord assez vite, là. On veut un autre swamp.
Puis donc, là, on dit que, hey, dans le fond, ah, ça, c'est un ramp avantage assez bon. Oui. Pour toi, là, contre moi, là, on va faire quelque chose. On va. Tant qu'à jouer avec ce deck-là qui a pas gagné une game encore. 3, paye 3 vies. 1, 2, 3. C'est un peu. Il y a combien 2-2? Ouais. Ben, une. C'est assez. 2-1. D'accord, je vais prendre 2. Je juge que. Tu juges que ton ramp est plus fort que. Ben, pour l'instant, plus utile que les points. Ouais. Je vais jouer. Deuxième main phase. J'aurais aimé que tu fasses 3 perles. Ben ouais. Parce que j'ai halluciné du trample. Ok. Un siphon sous. Oh, 2 dommages. Ça fait 2 dommages à each other player et je gagne l'équivalent. Combien de switcher? Ouais. Puis on voit peut-être que les cartes orientées comme ça, peut-être que le Battle Royale pouvait se jouer à 4 aussi. Ah! C'est pas la première fois que je vois une carte qui est ça. Each other, mm-hmm. etc. Bon, fait que. Après avoir fait mon attaque qui a passé, après avoir fait, hein, j'avais. Je trouve ça dommage que Cinderhurt va encore perdre sous les projecteurs parce que 2 verts. Ouais. On tap. Ouais. 4 verts. Plus 1. Dirt Cold Worm. C'est un 3-4. Lorsque mon opponent met un land dans le jeu, je mets un counter plus 1 plus 1 sur le 2 Cold Worm. Je vais t'attaquer avec ma 1-4. C'est à toi. Écoute. Mais effectivement, une de nos prochaines. Dans un avenir proche, qu'on pourrait faire, c'est justement faire un Battle Royale à 4 pour voir laquelle deck. Ouais, à 4, c'est. Bon. Fait que là. On va essayer de se défendre comme on peut, comme on dit. Ok, bon. Ben, on va faire quelque chose. Ouais. Moi, j'ai encore 17 points de vie. J'ai encore un petit. Ben là, ça commence à être fort l'autre bord, mais j'ai encore de la marge pour essayer de montrer un peu la mécanique du deck. Là. Sans plus tarder. Bon. Pestilence. Oh! À la fin du tour, s'il n'y a pas de créature en jeu, les deux côtés de la planète. Je peux taper en sacrifie. Il est plus là. Mais en attendant, c'est je paye un noir. Le silence fait un dommage à toutes les créatures et tous les joueurs. Ouais. Avec la grosse qui est l'autre bord, là, ça me donne de la marge pour que le silence reste sur le jeu. Fait qu'avec ça, je vais dire. Fait deux créatures de taper. Ouais. Un first strike. Un first strike, une 3-4. Ouais. Seulement. C'est à moi? Ouais. On tape. On va bouger. Ah mon dieu. 1, 2, 3, 4, tape. 5, 6.
Catastrophe. Je détruis toutes les créatures ou toutes les landes. Les créatures détruites de cette façon-là ne peuvent pas être régénérées. Je vais choisir toutes les landes. Quoi? Toutes les landes de tout le monde? Ouais, on détruit toutes les landes. Ça va comme sécuriser un peu mon avantage. Oh là là là! Puis là, à toi que tu vas en mettre, ça va booster mon world. Je trouvais que c'était un pas pire. Fait que je vais t'attaquer avec un first strike puis une 3-4. Je vais bloquer la 3-4 ici. Ok. C'est ça. Ben oui. J'ai un sentiment très complicité de. Ben il reste quoi de l'autre bord? Un 4. Une 1. Ok, ça va être un peu. Plus de l'air. Yep. C'est quoi cette affaire-là? Ah, ça débalance tout, là. Fait que je vais t'attaquer. Pas genre. Fable laquelle? Fable 4 fort, là. On a 3-4. On va que tu vas prendre 3. C'est là. C'est des decks de 44. De 44. Il y a 23 cartes dans chaque deck et 10 sélènes. Je vais t'attaquer 3, 4, 5, 6, 7. Écoutez, ça s'en va vers. C'est de toi. Et c'est ton deck. On pourrait tout ça dire. C'est fini. C'est fini. J'avais un attaque. Hey, on se revoit pour la finale, tout le monde. Eh oui. Merci d'avoir visionné la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, commenter. Passez une bonne journée.